Je ne parle pas anglais, mais c'est ouais. Avant, je parle tout le monde. Je suis vraiment content et je croise avec un Américain qui parle créole là. Bien, comment on fait créole là, vous savez? C'est parce que l'homme de l'école, l'homme de au lycée, un grand ami, étudiant qui saute à Haïti, vient aux États-Unis, et puis je me fais un métier avec eux, et puis je dois parler créole en créole, et puis je voulais connaître qui ça y a parlé. Je suis d'amour, on file là-dedans. Et puis comme ça, je viens connaître tout le monde. Dans le groupe là, et puis il y a parlé créole, et puis ma maman c'est française qui fait que je parle français, petit français, ça a aidé pour me parler créole. Après un an comme ça, je m'apprends à parler créole. Vous aimez créole en pile? Oui, je aimez créole en pile, c'est vrai, je suis fier, je suis fier parler créole, je suis fier pour m'exprimer en créole. Pourquoi fier de créole là, mon gars? Je ne sais pas, est peut-être parce que créole c'est langue et un peuple qui gourmet contre colon. C'est un langue monde qui gourmet, c'est un langue. On langue qui pas concours, gros langue français, anglais, chinois, langue qui reconnaît dans la société créole concours. C'est on langue et on peuple à côté, mais c'est pas on peuple à côté, c'est on peuple qui fier. Oui, peuple ici, c'est on peuple qui ouette chaîne colonialiste en 1804. Et puis ça, c'est une histoire, moi fier pour me connaître histoire ça. Moi fier que c'est on langue et on monde opprimé qui a goûté pour oppression. Depuis qu'il a commencé par les créoles là? C'est l'homme qui a 16 ans m'a commencé à apprendre parler créole. Et puis oui, pour 17-18 ans comme ça, on t'a dit que je suis en créole pour parler créole, même si je parle anglais. Pourquoi j'ai mal à Haïti? Mal à Haïti en 2000. J'ai eu 19 ans de Haïti pendant 3 semaines, mais c'est la seule fois mal à Haïti que j'aime retourner. 2000? En 2000, oui. Ça a 18 ans. Ça a 18 ans, c'est ça. Je visitais Palais National avant d'y écouler. L'homme ouvre ça après tremblement de terre. Est-ce que c'est Parlement? Parlement, mais Palais National là. À quel moment vient de ça? Oui, c'est. À quel moment vient de parler? Avec qui? C'est un professeur qui enseignait l'UMass. Je ne connaissais pas toujours là, mais Macou, où il était qu'on a organisé voyage à Haïti pour Américains, pour monde qui voulait étudier l'histoire Caraïbe et comme ça. Et puis il organisait une séance, un voyage 3 semaines à Haïti. On était allé avec le groupe, l'organisé, et puis you know, nous avons fait un petit tour en dedans. Yeah. Wow! Donc, vous avez créé en pile, vous travaillez là dans tout. Mais oui. Oui, je connais créé en créole tout. Parfois, je m'appelle créé en bas, je ne veux n'importe qui connaît ça, je m'appelle créé, mais créé en créole parce que c'est en bas. Je connais, je change ça, je m'écris. Je suis écrit en créole. Et c'est une façon pour me rappeler moins. Ça fait partie dans l'histoire pas moi, malgré que je ne suis pas haïtien, malgré que je n'ai pas une famille haïtienne. Je suis dans la culture haïtienne à cause que je fais connaissance haïtienne aux États-Unis. Et puis, ça rentre dans l'histoire moins tout. Et puis, moins fier pour m'exprimer ça. Et tout le monde dit ça, l'homme est en train de dire, ah, Bab de Nivelle Barret, parce que. On ne connaît pas qui est ce monde qu'on est sur la parole. Oui, mon cher. Pour te rencontrer dans la conférence, là, on était là, on a parlé de un paquet de sujets, on a parlé de faire dialogue sur le nucléaire européen, de l'identité sur le gender identity. Donc, vraiment content de rencontrer. Oui, je suis content de rencontrer. Bon message pour Haïtien. Et Kimbella, je connais un message en particulier et je compte travailler avec le monde blanc américain parce que je crois que c'est même plus passé haïtien qui besoin de conscience mondiale. Et tout le monde a besoin de lever conscience, mais c'est monde qui est en position colonialiste, monde qui vivent dans un pays colonialiste avec une race colonialiste. C'est même plus passé tout le monde qui besoin de améliorer connaissance sur ce qui a passé dans le monde, sur qui gens pour créer une société qui inclut tout le monde, que tout le monde est capable là-dedans. Est-ce qu'on a un petit message pour Haïtien qui parle ici, qui parle pas les créoles? Ça, pensez de ça. Qui parle pas les créoles? Qui parle pas les créoles? Maman ou parle les créoles? Papa ou parle les créoles? Mais même si vous venez ici, petit, vous parlez les créoles? Ou monsieur, vous faites ici, comment vous parlez ça? Bon, si vous parlez pas les créoles, ou pas voulez parler créole, mais pas faut ça parler créole. Peut-être l'état bon pour poser question ça dans tête ou pour qui ça ou pas voulez parler créole. Après ça, m'a pas dire ce qu'ils ont pour penser, mais il est bon pour réfléchir sur ça. Ça qu'il faut éloigner corps de langue créole là. Qui ça fait ça? Peut-être c'est toute ça question que t'as posé.
Ok, merci un peu. Dis-moi le nom à moi. Non, c'est Mitch, ou bien Michael. C'est un baptisé de nom Michael, mais tout le monde connaît le Mitch. Quand tu as Michael. Quand tu as Ok.